Je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur Car Mécanique Simulator 2015 pour le 9e épisode si je ne me trompe pas. Oui, voilà, ça doit être ça. Allez, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on va continuer notre boulot. Oh putain, ça y est, le boulot commence. Allez, c'est parti. Donc on avait cette voiture déjà. Qu'est-ce qu'il faut rectifier déjà? Poulie pompe à eau, elle avant. Bah d'accord. Un mot. Il y a de la crasse par dessous. Ça c'est quoi ça? Je sais même plus là, j'ai trop de mille voitures. Accélération brillante, alors celle-là on pourra la finir. Alors, voyons qu'est-ce qu'il y a. Voyons qu'est-ce qu'il y a sous cette voiture. Donc tout simplement aujourd'hui on va travailler que sur cette voiture, on va faire une vidéo de 10 minutes, voilà, très rapide. Je vais virer le radiateur parce qu'il me merde. Voilà. Alors qu'est-ce qui va pas sous cette voiture? Chaîne de distribution, V8 et compagnie. Courant d'entraînement, ça je la vire. Tout est indiqué, hein. Oui, donc ça va. La poulie pompe à eau, ça aussi c'est mort. Hop là, voilà, ça c'est mort. Autrement dit, il y a du travail sur cette voiture. Qu'est-ce que je vais voir derrière, hein? J'ai peur. La chaîne de distribution, elle doit être morte. Ouais, elle est morte, oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Commande à cam. Ouais, elle est là. C'est bon, j'ai tout. Maintenant, on rectifie tout le bazar. Alors, par contre... je ne sais pas ce que c'est. Alors attendez. Donc chaîne de distribution. Alors. Oui, c'est chaîne, hein. D'accord, ça marche pas. Génial. Si je fais que chat. Chaîne de... Voilà, ben voilà. Ah oui, d'accord, il y a le petit... En fait, le jeu est en train de troll, quoi. C'est magnifique. Commande à cam. Alors, commande. Vu comme j'écris, ça devrait pas loin. Voilà, commande à cam. Alors, c'est d'une, c'est le V8. Hop, qu'est-ce qu'on a après? Pompe à eau, poly pompe à eau. Donc, pompe. Donc, on a une pompe à eau V8. Et poulie de pompe à eau, voilà, c'est celle-là. Normalement, c'est ça. Alors, on va pas remettre d'abord le radiateur. On a la chaîne de distribution. Hop, nickel. On remet la pompe à eau. Elles sont bizarres sur ces voitures, vous savez, vous trouvez pas les pompes à eau là? C'est bizarre. Après je dis ça, je dis rien. Hein. Le gros vis au milieu. Non, pas là. Là. Là, pas le ventilateur. Hop, et le radiateur. Nickel. Donc ça c'est bon. Normalement c'est bon, oui. Donc là, waouh, tout ce qu'il faut remplacer. Alors, on va lever le capot. Ah oui, il y a de quoi remplacer sur cette bagnole, hein. Ah oui, là aussi. Alors, là on est en boutique de pièces de carrosserie, voilà. Alors je sais même pas c'est quoi comme voiture. Alors c'est une Delray Custom. Alors on va chercher les pièces de Delray Custom. Delray
Elle est assez. Des rallyes custom, voilà. On y est. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme pièce? Le capot. Des rallyes custom capot. Ok, donc. On va prendre le capot. Hop. L'aile, le phare droit. Le phare droit. Oh, mais en fait, c'est tout le temps pareil en fait. Je crois que c'était le feu gauche qui était mort. Pare-choc arrière, oui. Pare-choc avant. Phare gauche. Et portière arrière droite. On va voir. L'aile avant droite aussi. C'est un peu plus haut. Elle est à l'avant droite. Hop. Ah. Ah merde, j'ai pas acheté le phare. Ah, je me suis trompé. Putain. Voilà. Le pare-choc avant. Voilà. Et voilà. Assure qu'elle est plus jolie. Et après, repeindre la couleur, on peut pas. Donc on va faire terminer le travail. Ouais. Je n'ai pas le choix. Alors, accélération brillante. Nickel. On va bien se faire chier dessus. Oh putain. D'accord. Hey, wake up. Hey, wake up. Qu'est-ce qui se passe? Wake up, bordel. D'accord. Nickel. On va faire 10 minutes. Ouais, on va faire. Là, je vais faire. On va faire les 10 minutes. Voilà. On va faire un petit épisode de 10 minutes parce que tout simplement. Je pensais le jeu avait du mal à. J'avais des problèmes de jeu. Et apparemment ça refonctionne. Parce que je n'avais plus d'aucune sauvegarde. Donc j'ai redémarré le PC. Et après ça a remarché. Alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Encore le PC qui est encore en train de me troll. Ouais, j'avais des problèmes de sauvegarde. Et là c'est revenu. Donc voilà, on va lever le démarreur. Le démarreur, en plus il est mort. Pour enlever la boîte de vitesse. Le 48%. Volant d'inertie est à combien? Oh putain, il faut tout démonter. Hop, non. Il faut d'abord la butée d'embrayage, après le plateau. Disque d'embrayage, il est combien? 42%. Volant d'inertie, il est complètement foutu. Voilà. J'ai aussi l'échappement à virer. Hop. Normalement, j'ai toutes les pièces. Oui, c'est bon. Ah, c'est le volant d'inertie. Ok, donc on va changer ça rapidos. Donc, hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Boîte à vitesse et volant d'inertie. Alors. Volant d'inertie, voilà. Boîte. Ah putain. Boîte à vitesse R44. Oui, R44. Oui, c'est normal. Parce que tout simplement, j'ai acheté un autre DLC. Voilà, sur Car Mécanique. J'ai tout le DLC. Hein. J'ai DLC pour les 4x4, etc., etc. Donc on va commencer par la boîte. Attendez, je vais essayer de zoomer. Hop là. Voilà.
Hop, le disque d'embrayage apparemment il est bon. Du moins qu'il nous dit pas que c'est pas bon. Hop, on remonte la boîte à vitesse. Démarreur. Hop. Hop là, maintenant, pot d'échappement du milieu. Pot d'échappement du milieu. Voilà, et il nous faut arrière V8. C'est ça. Hop là, nickel, la voiture est nickel. On fait ça. Et voilà, vendu. Donc on va s'arrêter là, voilà. Alors je sais, cet épisode a été très court, voilà, mais bon. Ça a marché. Alors j'ai eu des petits soucis, voilà, donc on va pouvoir essayer de... Bon, ça a marché, tant pis, on va s'arrêter là. Et moi je garde cette voiture tout simplement pour pouvoir la peindre. Voilà. Mais bon, il me faut attendre. Le problème c'est que je suis bloqué. Si je vais dans l'atelier de peinture. Hop, il nous manque, il nous faut 5000 XP. On est à 4700, donc il nous manque un petit peu d'XP. Du coup, on va s'arrêter là. Donc, merci à tous de regarder cette petite vidéo très très courte. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!